Bonjour à toutes, ce vendredi on va faire de la résine 3D dans une ambiance un petit peu lunaire avec un beau vernis holographique et un effet de cratère. Donc pour le matériel, vous aurez bien sûr besoin de monomère, donc c'est un liquide qui est indispensable pour faire de la résine, qui sent très fort d'ailleurs. Vous aurez aussi besoin de poudre, j'ai pris de la poudre blanche ABC Nail Store, et d'un pinceau à résine, donc ici c'est la taille 6 de chez Roubloff. J'ai besoin d'un assez gros pinceau parce que la rose que je vais faire est quand même assez grosse, et avec un gros pinceau, on a plus de rapidité à le faire qu'avec un petit, mais sinon c'est faisable. Donc j'ai posé sur mes doigts le magnifique vernis LM Cosmetics, que j'ai posé sur base noire, vous avez les références dans la description. Ensuite, pour attraper la résine, donc on trempe bien le pinceau dans le monomère, puis on va tremper rapidement dans la résine en faisant un mouvement linéaire de façon à ce que la boule se mette sur le côté du pinceau pour que ce soit plus facile à poser. Donc ensuite la boule, on va l'essuyer sur le papier, donc c'est aussi pour ça qu'il faut qu'elle soit sur le côté. Donc juste j'essuie mon pinceau sur le papier et ensuite je la pose sur mon ongle pour pas qu'elle soit trop liquide. Si vous ne l'essuyez pas sur le papier, des fois certaines résines elles coulent en fait et après ça va ruiner votre fleur. Donc là j'ai posé la boule, je l'ai étirée en forme de croissant. Puis ensuite avec mon pinceau je vais écraser, donc pour écraser en fait le geste c'est je tire le pinceau et j'écrase, comme vous voyez ici en fait, je tire et j'écrase. On ne travaille jamais avec la pointe du pinceau, on travaille toujours avec le corps du pinceau, donc à peu près à la moitié ou à la base du pinceau. Plus vous appuyez avec la base du pinceau, plus ça va appuyer fort et écraser. Donc le but c'est vraiment que ça soit quand même assez plat, parce que sinon c'est pas pratique pour porter en fait, pour porter tous les jours, les cheveux vont s'accrocher, tout ça, donc le but c'est quand même que ça soit plat. Donc pour ça il faut bien écraser. Donc je pose ma boule, je fais un croissant et ensuite j'écrase ce petit croissant le plus possible. Il faut pas mettre trop de temps parce que si ça sèche après quand on écrase ça craquelle la résine. Donc là j'ai utilisé la résine ABC Nail Store, c'est une résine qui se travaille vraiment bien et surtout ce qui est intéressant pour la 3D c'est qu'elle ne sèche pas trop vite, donc on a vraiment le temps de façonner sa fleur pendant très longtemps, elle reste très molle en fait. Donc j'ai assemblé 4 pétales en quinconce, c'est important de faire en quinconce pour que ça ressemble plus ou moins à une rose. Ensuite j'entame le deuxième étage, donc plus je me rapproche du centre de la fleur, plus je vais tenir mon pinceau droit en fait. Parce que si je le tiens trop à plat, comme les premiers pétales que j'ai fait à l'extérieur, en fait ça va venir complètement s'écraser sur les autres jusqu'à les cacher peut-être si vous appuyez trop. Donc là je tiens mon pinceau à peu près à 45 degrés on va dire. Et donc toujours pareil, j'écrase avec le milieu de mon pinceau, pas avec la pointe. Si vous écrasez avec la pointe ça va faire un trou. Et pour créer la petite spirale qui est au milieu, je place une dernière boule au centre que je relie à un pétale du rang d'avant. Puis ensuite avec mon pinceau bien droit, puisque là on est au cœur de la fleur, donc le pinceau droit, je vais tourbillonner de façon à créer la spirale. Donc je vais l'écraser un petit peu voilà, sur les côtés tout en reliant au pétale d'avant. Ensuite pour faire l'effet cratère, donc j'ai pris de la résine mais beaucoup plus liquide que pour faire la 3D, donc on trempe plus son pinceau dans le liquide et on n'essuie pas la boule. Je l'étale un petit peu en dégradé et quand elle commence à se matifier avec un pic, je fais des trous à l'intérieur tout simplement. Donc ça j'ai vu cette technique, on me l'avait montré en formation et j'aime beaucoup en fait l'effet. Donc là c'est pareil, j'ai remis la boule très liquide que j'ai étalée. Et quand elle commence à se matifier avec mon aiguille, je fais des trous à l'intérieur. Et ensuite, pour la finition, donc je vais appliquer un peu de peinture blanche sur les bords de manière à faire ressortir la rose. Donc pour ça, j'ai pris un pinceau long et fin, de la peinture acrylique. La peinture acrylique blanche sera toujours plus blanche que votre résine en fait. Et donc je vais mettre du blanc sur l'extérieur des pétales. Ensuite j'ai collé un strass, j'ai posé mon top coat mat sur la résine, vous pouvez aussi poser du brillant mais j'aime beaucoup moins l'effet, et du top coat brillant sur mon vernis.
Voilà pour ce tuto, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de résine en plus, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, alors mettez un pouce vert sur la vidéo et dites-moi en commentaire si vous en voulez encore ou si vous voulez voir d'autres techniques plus particulières. Voilà, à bientôt !